Et Shalom, comme je l'ai dit, l'organisation luciférienne, les forces de l'abîme, les neuf cœurs des esprits du mal, les neuf cœurs des esprits du mal, vous allez voir premièrement un esprit qu'on appelle Belzéboul. C'est lui qui coiffe tout. C'est lui qui a entraîné tout. C'est lui qui était le maître . C'est lui qui était créé par Dieu. Il était le chef. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre le nom qu'il a reçu, qu'on appelle le prince des démons. C'était Belzéboul. Il est le dirigeant, le chef de tous les autres démons, qu'on appelle premièrement aussi le python, serpent qui donne des visions. C'est lui qui font des faux visions. C'est lui qui prédit les avenirs, des fausses avenirs. C'est lui qui élève la conscience des gens parce que c'est un serpent qui est intelligent. Et le serpent a deux sens. C'est pourquoi je dis, respectons les kabbalistes. Moi, je suis catholique. Personne ne peut m'enlever ce titre-là. Parce que un évêque même ne peut pas m'enlever. Le pape ne peut pas m'enlever. Mes respects, pardonnez-moi, mes chers pères. Ce n'est pas que je vous ai manqué de respect. C'est juste une façon de parler. Je me demande pardon. Je vous demande pardon, pardon, pardon. Je suis votre fils physique. Je vous en prie. Je suis en train de parler. Pardonnez-moi. Un pape ne peut pas m'enlever. Un évêque, un curé ne peut pas m'enlever. Vous savez pourquoi? Parce que, soi-disant évêque, soi-disant curé, elle m'a déjà donné ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai été baptisé. Et communié, confirmé. Mais, le Christ m'a appelé comme apôtre Paul, dans une autre vision. Donc, j'espère que vous m'avez compris maintenant. Mais respect toujours aux prêtres. Parce que la parole de Dieu dit, vous ne devez pas proférer des injures contre votre chef du peuple. Voilà. Dans mes respects. Donc le prince des démons, avant que je vais y arriver, vous voyez, il y a une autre figure qu'on appelle Yod-Heh-Voré. Le Yod était le créateur, la tête. Yod était le créateur, il était la tête, il était la légende et le ré, on va dire, le féminin ou la féminine, en qui le Yod a placé son énergie et ça a donné le Va, qui était notre Jésus-Christ, en parenthèse. Si je vais traduire ça comme ça, pour nous les chrétiens. On appelle ça le Fils. Et le Ré qui est à la fin. Parce que le Ré qui était lié avec Yod ici, était une féminine. Une féminine donne de la création, donne de la naissance. Le Fils, le Va, il a donné aussi le Ré. C'est-à-dire qu'il a donné une autre créativité, une autre création. Aujourd'hui, que nous les chrétiens, nous en profitons, en bénéficions. Comme on dit que le Nouveau Testament, le Nouveau Ciel, tout, tout, tout. Bref. Maintenant, il y a encore d'autres. Yod-Heh-Voré et d'autres. Et ceci, c'est encore une autre créature. Ça fait toujours partie aussi de l'égrégore de Dieu. Mais ceci n'a pas été utilisé, ça, parce que ça, c'est le contraire de la parole, de la vraie
parole. Et c'est ça qui était dans Lucifer, on va dire, tout coup comme ça. Faut que je vais aller en terre à terre un peu, vous allez comprendre. Donc ça, normalement, si ça existait, Dieu a permis que ça va exister, ce que lui va apporter. Je vais vous les expliquer tout à l'heure si Dieu le veut bien. Maintenant, Dieu l'a mis à part. Donc, Dieu a voulu travailler directement avec les premiers noms que je vous ai donnés comme ça. Ce que j'ai expliqué, ce n'est pas si compliqué. Ceux qui le connaissent, ceux qui le savent déjà. Maintenant, ces noms sacrés, ces noms puissants, c'est dans ça que toute chose est sortie. Jusqu'à ce que nous allons voir cette créativité, tout. Maintenant, revenons tout simplement au niveau des anges. Des anges, chaque ange avec leur hiérarchie. Donc, dans les hiérarchies des anges, ça a été recoupé par trois. Trois qui s'est regroupé égal à 9. Maintenant, chaque parmi les 9, il y a un maître qu'on appelle, il y a les puissances, il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les cœurs, il y a les anges. Vous voyez. Maintenant, quand on dit les esprits bienheureux, des 9 cœurs des anges, là nous invoquons celle de Dieu. Maintenant, au niveau du Belzéboul, lui aussi il a un 9 cœurs des anges, c'est ça qu'on appelle. Où j'ai écrit ça maintenant, Seigneur, explique-moi, je t'en prie, Jésus. J'ai écrit ça quelque part. Voilà. L'organisation luciférienne, les 9 cœurs des anges. Mais eux, ils ne sont pas. Ils ne sont pas dans le ciel, mais ils sont dans l'abîme. Ils sont, c'est-à-dire que dans le monde ici, en l'air, et dans quelque part au niveau du deuxième ciel et premier ciel. Vous avez dit, Berger est devenu théologien. Comme je n'étais pas chômage, j'étais voyagé un peu. Ça me plaise. Un peu de rentrer dans certains détails. Parce que j'entends certaines choses, certaines personnes, je dis qu'il faut que je parle un peu à des gens. Parce que les gens disent, mais j'ai vu la corne là, bon, c'est bon, mais Berger, bon, j'aimais poser un peu de questions. Voilà, je parle maintenant. Les tapis que j'ai fait sortir, les tapis là, Berger, c'est bon, mais c'est pourquoi je vous parle. Alors, suivez bien cette vidéo et comprenez. Rejouez, vous allez comprendre. Et si vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas de détails, posez-moi la question, je vous ai dit. Pas au Dieu, mais il faut que ça soit bref ou bien pas écriture. Quand j'ai le temps, je vais répondre par ici. Voilà. Maintenant, quels sont les esprits maléficium que vos soi-disant ou nos soi-disant les hommes de Dieu. J'ai parlé du Belzéboul qui est le prince. Vous ne rappelez pas de la parole de Dieu. Non, il fait des miracles par le prince des démons. Belzéboul, ils utilisaient le prince des démons. Vous ne vous rappelez pas de ces paroles dans la Bible? C'est lui. Pourquoi ils n'ont pas appelé directement que non, c'est Satan qui est le prince des démons? Satan n'est pas le premier. Il est aussi une force. Et je reviens sur lui. Jésus a... Satan, sort de ce corps. Il n'a pas dit Belzéboul. Chaque entité, ils ont leur travail. Il y a des gens à qui j'ai envoyé certaines prières, mais ce sont des frères à moi. Il y a
un vieux béni de mon pays, un vieux mon ami, je lui envoie cette prière. Et je veux que, Pépé, il faut que tu gardes bien cette prière-là pour moi. Un frère à Belgique, je l'ai envoyé. Un ami à Métropole, je l'ai envoyé. Je ne sais pas si j'ai encore envoyé ça à une autre personne. Cette prière que je vous ai envoyée, je vous ai donné ça avec un cœur. Maintenant, vous voyez, à part Belzéboul, il y a le serpent Python, c'est lui qui le suit. C'est lui le menteur. C'est lui le prédicteur de l'avenir. C'est lui le Python qui donne des visions. Et vous lisez dans la Bible où l'apôtre Paul avait délivré une femme qui fait des visions. Donc, en même temps que Dieu aussi, parmi les neuf cœurs, il y a des entités bienheureux qui donnent des visions. En même temps aussi, il y a les entités maléficieuses qui font des miracles, des visions. Donc, le serpent, lui, son affaire, c'est de s'occuper au niveau des visions, qui prédit des avenirs. Et l'homme aime qu'on prédit ses avenirs. Or, il y a des avenirs qu'il ne faut pas prédire. Il y a des choses qu'il ne faut pas révéler. Il y a des choses que lorsque vous voyez, vous devez les fermer. Mais certaines personnes ne le savent pas. J'aime connaître, j'aime comprendre bien. Ben, j'explique-moi un peu, je vais comprendre. Non, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas expliquer. Non. Parce que expliquer certaines choses, en même temps, il faut en même temps agir, à faire ce qu'il faut. Sinon, c'est grave. À part ça, il y a Bélial que vos pasteurs utilisaient. Ah, pardon, j'ai dit, je ne vais pas prononcer le nom avant, mais désolé. Il n'y a pas seul un pasteur, il y a les apôtres, il y a ceux qui ont dit qu'ils sont des diacres, il y a des si. Il y a aussi un démon qu'on appelle Bélial. Et quand il prend le micro, vous ne connaissez rien. Et le Bélial aussi a ses missions. Vous pouvez demander, mais il faut expliquer leur mission. Je ne peux pas tout donner. Mais je vous donne tout simplement que vous devez comprendre que ils utilisaient. Donc, vous avez dit, mais pourquoi même Jésus permet qu'on utilise son nom dans certaines choses. Mais je vous ai déjà expliqué que il y a les neuf cœurs bienheureux des anges et il y a aussi les neuf cœurs de l'organisation Maleficium. Les Américains ont fabriqué le vrai, les Chinois ont fabriqué le faux. Le vrai reste Dieu et le faux aussi reste à son temps. Vous comprenez? Mais tout simplement, le reste, la dureté du reste ne sera pas gâtée comme le faux. Il y a aussi Satan. Satan, c'est lui le séducteur des miracles. Voilà. Recevez. Recevez-la. Il y a aussi le Christ, mais pas des manières arrogantes, parce que dans les œuvres de Satan, ces pasteurs, ces hommes, ils sont dans l'arrogance, dans leur miracle. Ils sont tellement fiers d'eux dans leur miracle. À part ça, il y a Asmodée. Qui est prêt à traquer la conscience d'un être humain qui pouvait prendre son fils à le faire des sacrifices pour avoir de l'argent. Le démon de l'enfer. Il y a Amadon. Je vous parlais des choses que vous soi-disant homme de Dieu, ceux qui connaissent la Bible, et puis si vous faites des prières, on dit, ce sont eux qui viennent critiquer.
Quand vous cherchez à me critiquer, je vais vous dire, je vais vous montrer que moi-même, quand je suis là, là, ce n'est pas que je ne connais pas des choses. Je suis confiant, je suis sûr de moi, de ce que je fais. Et c'est moi seul qui ira mon jugement. Et je ne porterai jamais le fardeau de quelqu'un. Jamais. Sur ma conscience, non. Je vais vous donner les noms là. Et puis je vais vous donner les conséquences aussi. Il y a abandon qui est là. Il y a mérimine. Ce sont les grands maîtres des enfers. Il y a Astaro. Lui, c'est le séducteur. Lui, il peut séduire le cœur d'un président. Un arrogant. Le président va être arrogant. De sacrifier des gens. Voilà. Il y a aussi maman. Vous ne pouvez pas servir deux choses. Vous vous rappelez de ces paroles du maître? Vous ne pouvez pas servir deux choses. Le démon de maman qui séduisait les femmes, l'argent. Voilà. Maintenant, j'irai maintenant vous expliquer les conséquences des hommes de Dieu, ceux qui sont en alliance avec ces démons, leur fin tragique. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois. Le petit sorcier, peu importe, mais le titre est gravé dans son esprit. Il est le fils de la Vierge Marie. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Shalom.